Hola chiques! Si vous avez célébré Noël, joyeux Noël. Si vous ne célébrez pas, que vous célébrez autre chose, joyeux autre chose. Joyeuse fête en tout cas. Et si vous ne célébrez rien du tout en cette période de l'année, bonnes vacances et bon congé, parce que quoi qu'il arrive c'est congé, donc bon congé et bonnes vacances. Si vous avez célébré les fêtes, j'espère que vous avez passé de très chouettes fêtes. Il y en a encore qui arrivent, il y a encore le nouvel an. Mais j'espère que ça va continuer de bien aller. Si malheureusement c'était pas bien, je suis de tout cœur avec vous, j'espère que ça va s'améliorer. 2021 arrive donc ça ne peut qu'aller mieux, ça ne peut qu'aller mieux. Bref, là tout de suite nous sommes le 25, c'est plus trop le matin en fait, il est 10h51. Et nous sommes le dernier jour de Vlogmas. Et aujourd'hui, vu que c'est le 25 et que c'est plus une journée où on reste avec mes parents à la maison, on fait des jeux de société, des puzzles, des trucs comme ça, je voulais pas vlogger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. Je suis pas en train de brag ou de dire ouh, j'ai reçu plein de trucs ou quoi. C'est juste que voilà, j'ai une de mes amies qui m'a dit ouais, j'ai hâte de voir tes cadeaux. Du coup, voilà, je vous présente ce que j'ai eu. Et voilà, cette année elle a été particulièrement chouette pour moi pour Noël parce que j'ai enfin un salaire fixe tous les mois et j'ai enfin un salaire qui me permet d'acheter des plus gros cadeaux, on pourrait dire, pour mes parents. Et du coup je suis super contente de ce que j'ai offert, ce que je leur ai offert. Je suis très fière de moi, de pouvoir genre give back what they gave to me. Et donc voilà, mes cadeaux sont trop bien. Bon, il y en a un que vous avez déjà vu, donc je vais commencer par celui-là. C'est du coup ma Nintendo Switch. En fait elle est là. J'ai reçu la Switch, si vous avez regardé mon vlog, je crois que c'est le vlog numéro 15 où j'étais de retour ici. J'avais acheté la Switch avec ma mère. Ma mère a payé 3 quarts et j'ai payé 1 quart. Mais elle m'avait dit que, elle m'avait demandé de garder ça comme cadeau de Noël. Du coup, on l'a reçue. Elle est là. Et en plus du jeu Mario et les lapins crétins que je vous avais montré le premier jour, quand j'avais reçu la Switch, vu qu'il y avait une offre chez Maxi Toys, c'était la Switch et ce jeu-là. C'est celui-là. Mario Kingdom. C'est quoi Mario Lapin Crétin Kingdom Battle. Du coup, en plus de ce jeu-là, j'ai reçu aujourd'hui le professeur Layton. Enfin, l'aventure Layton avec ses 4L et la conspiration des millionnaires édition Deluxe. Donc ça, c'est genre littéralement la raison pour laquelle j'ai update à la suite. C'est que les jeux professeur Layton, c'est mes jeux préférés. Je viens justement de recommencer il y a peu l'étrange village. C'est mes jeux préf, j'ai de fait updaté à la Nintendo 3DS à cause ou grâce à Professeur Layton. Et encore une fois, la seule raison pour laquelle j'ai vraiment update à la Switch, c'était ce jeu là, c'est ça qui m'a convaincue d'updater. Mais voilà, du coup j'ai reçu l'aventure Layton que j'ai trop hâte de commencer. Et j'ai reçu aussi une protection pour ma Switch, une protection transparente. Je savais pas du tout ça, je m'y attendais pas du tout, ma mère a acheté une protection transparente pour ma Switch. Trop hâte de commencer à jouer parce que du coup dans mon vlog vous m'aviez vu juste genre faire les settings etc. J'ai pas joué avec, j'ai juste vérifié que le jeu démarrait. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, les contrôles etc. Du coup j'ai trop hâte de passer ma journée là dessus. Ensuite j'ai reçu deux pinceaux pour le maquillage. Celui-là c'est un pinceau plutôt petit mais fluffy. Et surtout pour faire mes lignes ici en bas, que je rajoute toujours du fard à paupières en bas. Donc j'ai un pinceau comme ça. Et puis j'ai un pinceau à eyeliner qui est bizuté, je crois que ça se dit comme ça. Il est en V comme ça pour faire plus précisément mes traits de fard à paupières marron quand je fais une sorte d'eyeliner. Ça vient de chez Emma, comme ça vous savez. J'ai reçu, toujours en maquillage, j'ai reçu la palette de NYX. C'est Ultimate Edit. Avec plein de couleurs flashy. Trop hâte d'utiliser ça. Je suis vraiment trop contente. En plus c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est une mini palette pour ce que je veux faire. Parce que c'est vraiment genre que du test que je veux faire. Et du coup j'en ai pas genre full de toutes ces couleurs là. Donc je suis très contente de pouvoir utiliser ça bientôt. Et faire des make-up looks fancy, colorful et tout ça. Donc je suis trop contente. J'ai également reçu dans le truc de maquillage ça.
C'est les rollers comme ça. Vous pouvez trouver ces rollers genre chez Sephora. Mais je trouvais qu'ils étaient super chers. Enfin, c'était genre 30 balles, je crois. Et on est passé chez Emma. Et là aussi, on a acheté les brushes. On est passé chez Emma pour complètement autre chose en vérité. Et j'ai vu ça. Et il était, je crois, à 12 euros si je me trompe pas. Et j'étais là, genre, oh, c'est trop bien. J'en cherchais un pour tester. C'est les rollers pour masser la peau. Et du coup, ma mère me l'a acheté pour Noël. Et enfin, mes deux derniers cadeaux. J'ai reçu une coque orange pour mon téléphone. Pour mon iPhone 7, j'avais aussi également une coque orange. Je sais pas, j'aime beaucoup le côté genre mandarine comme ça. Et puis j'aime bien le bleu sur le orange, je trouve que ça donne bien. Je sais pas, je trouve que ça donne très bien le bleu sur le orange. Voilà, j'ai reçu ci, comme ça. Voilà. J'ai reçu celle-là et j'ai reçu celle-là pour Noël. Donc là derrière c'est genre il y a des sapins de Noël, des candy canes et des petits rennes, Rodolphe le petit renne, et puis devant il y a le petit Rodolphe qui est là ici pour me tenir compagnie. Et voilà, c'est tout. Ah oui, et du coup ouais, il y avait aussi comment on disait, elle est stoute, comment on dit, la case pour porter la Switch ici, mais je crois que je vous l'avais aussi montré parce que c'était genre tout un deal. Il y avait la Switch, la case, un verre protecteur et un jeu. Ça le dealait du coup, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai reçu pour Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien savoir ce que les autres ont reçu. Comme ça me donne des idées pour savoir quoi offrir et quoi demander aussi. Donc voilà, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu, ça m'a blindée, je pensais que ça allait me stresser, que j'allais être en burn-out à la fin. Parce que entre le travail, les cours, machin, j'avais très très peur vu que j'upload le jour même. Je filme et j'upload. Et j'avais très très peur et pourtant en fait justement ça a eu l'effet contraire, ça m'a déstressée. Je me sentais tellement bien quand j'étais en train de faire le montage. Surtout que bah... comme je l'ai dit, le week-end passé c'était pas facile pour moi et faire du montage en fait ça m'a permis de me sentir mieux. J'aime beaucoup, c'est un moyen de m'évader, d'imaginer comment je monte mes vidéos, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire Vlogmas. Du coup je testerai l'année prochaine à nouveau. Est-ce que je ferai 12 jours ou est-ce que je ferai les 25? Je ne sais pas encore, on verra. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai un peu aidé à égayer vos journées. Et sinon j'essaierai encore. J'espère vraiment que vous avez pu passer du temps avec votre famille ou vos amis ou qu'importe les personnes qui sont proches pour vous. J'espère que vous avez pu passer du temps avec eux, que ce soit en FaceTime ou en physique si vous pouviez. J'espère vraiment que vous étiez entourés ou que vous étiez devant un très très bon animé ou une très très bonne série, parce que ça aussi ça marche très bien dans ces périodes là. Et voilà, on se voit bientôt.